Alors moi personnellement, j'ai toujours pensé qu'on pourrait mettre la construction des collèges et des lycées sur un même niveau de collectivité territoriale, qui permettrait évidemment d'avoir une seule administration pour construire, enfin pour cette mission, qui est essentiellement une mission de construction de bâtiments, hein, il faut bien mesurer, et que, à une époque où on cherche absolument à faire des économies et à rationaliser, et à mutualiser, je pense que c'était une chose assez simple et assez symbolique que de rassembler sur un même niveau de collectivité territoriale cette construction des lycées et des collèges. Alors qu'est-ce qui a bloqué ? Ce qui bloque, c'est naturellement des collectivités qui ne veulent pas lâcher de compétences. C'est ça le sujet. Alors qu'on pourrait très bien imaginer que, en transférant cette compétence, on en garde d'autres, ou même on en transfère d'autres. Mais c'est très difficile, effectivement. Il y a toujours de bonnes raisons. Il y a toujours de bonnes raisons. Quelques-uns de mes collègues peuvent penser que je suis un peu sévère vis-à-vis des départements. Mais je pense qu'ils ont tort de s'arc-bouter sur tout. Parce que ça donne une image, au fond, qui n'est pas positive et qui n'est pas suffisamment, qui montre pas suffisamment qu'ils ont besoin de la réforme.